Bonjour les triconautes, j'espère que vous allez bien et que c'est une transition réussie. Dites-moi tout de suite dans le chat si c'est bon pour vous, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Bonjour à toutes et à tous, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour ce... Nouveau live créatif. Installez-vous, prenez une tasse de thé, café, lait, ce que vous voulez. D'ailleurs, à propos de lait, il y en a une qui est en train d'en boire une tasse. Et on est passé, comme dit Matou, pas loin de l'Apocalypse. Hein, de l'Apocalypse. De l'Apocalypse. Apocalypse, c'est bon, vous l'avez Que je vous raconte cette histoire. Cette histoire. Cette histoire, mon Dieu Oh là là, c'était digne d'un film, c'est comment dire, d'un film Netflix. <laughs> je vous mets le décor. Bucarest, Roumanie, 4 avril 2023. Il fait moche, mais vraiment très moche. Il fait vraiment pas beau. Genre, dehors, c'est gris, il pleut, il grêle, il y a du vent. Euh, on dirait... <laughs> Matou a failli s'envoler. Mais euh, je vais vous expliquer pourquoi il a failli s'envoler. Et... Dehors, du coup, impossible de mettre le, le pied dehors, c'est un temps pourri. Vraiment, c'est. Euh, je vais rester poli, c'est un temps pourri. Voilà. Donc du coup, nous allons avec Petite Renarde euh, ici pour préparer le live créatif. Et arriver ici. Oh mon dieu Qu'est-ce qu'on a oublié Le lait <laughs> On a oublié le lait. Catastrophe Catastrophe. Donc du coup, euh, euh, ah la cavalerie arrive Avec du retard J'arrive Je reviens dans un instant. Je vais vous terminer l'histoire. Que je vous explique la cavalerie pourquoi elle est arrivée en retard, avec 12 minutes, enfin, alors pas 12 minutes de retard mais presque une heure de retard du coup. Alors avec Matou, on arrive ici et là oh, catastrophe, on a oublié le lait. Oh, cata, euh, petite renarde qui a qui a bu son dernier lait du coup il y a une heure. On sait qu'on a une heure pour euh, pour avoir euh, bah, tout ce qu'il nous faut. <laughs> Donc du coup ici en Roumanie c'est très facile de se faire livrer euh, des choses euh, normalement assez rapidement. Sauf aujourd'hui <laughs> Donc du coup, commande d'un biberon, plus de poudre pour, pour pouvoir tenir durant le live créatif. Super confiant, c'est bon, ça va arriver, pas de problème. Sauf que, gros problème, donc du coup, le lait n'arrive pas. Mais vraiment, ça n'arrive pas du tout. Donc du coup, Matou, en catastrophe totale de... C'est quoi c est... C est 10 minutes avant le live Même pas Même pas 5 minutes avant le live met son manteau, chuch, chuch, prêt à affronter les éléments, sort, s'envole à moitié avec le vent, euh, manque de se faire euh, éclabousser la jambe par euh, je ne sais quelle voiture et compagnie. De voler. Plus manque de s'envoler, du coup, <laughs> surtout. Euh, tout, tout, vous, vous vous imaginez un peu dans un film comme ça, genre un peu comme ça, voilà, c'est un petit peu, c'était un petit peu l'état de matou quand il est, quand il est rentré, dégoulinant, trempé, euh, et euh, surtout en héros avec le lait, le, la poudre, tout ce qu'il nous fallait quoi, et au chaud, et, au chaud. <laughs> et euh, du coup, voilà, la, la cavalerie que l'on attendait pour venir nous sauver est arrivée en retard. Bah, 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 bah. Ouais, euh, euh, C'est bon, elle a déjà fait le rôle. Est bon, elle, est, elle est repartie pour un dodo. Ouais, <laughs> Bref, voilà, vous avez euh, l'image. Je prends le chat. Alors, on me dit. Euh, 5... Oh là là, oui, elle est bien là. Je vois, elle fait des petits clics comme ça. Là. Elle est bien. Alors, je prends le chat. Alors, non, Yanaïk, du coup, ce n'était pas un G de lait, mais c'était euh, une autre forme d'apocalypse. Euh... En tout cas, le pull porté est très très joli. Justement, on va en reparler. Alors. Tac tac tac. J'essaie je, je, de passer rapidement parce qu'il y a beaucoup beaucoup de messages. Je lis pas tout. Je vous lis toutes et tous, mais je lis pas tout à voix haute. Je Suis déjà en train d'éplucher le modèle, Zéline qui est à fond. Euh... Bonjour du coup, bonjour. Je n'ai pas, pas dit bonjour, mais bonjour Fanny, Antoinette, Sylvie, Yena, Katia, Claudine, Yanaïk que j'ai vu passer, Armelou, bonjour, 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 Claudine, Claudine, ça fait super plaisir de te voir. J'espère que tu vas bien. On te fait des bisous. Christiane, salut, salut. Sandrine, Lydia. La pêche, Janelle, Janelle a toujours la pêche. Alain Delon aime Alain Delon. Alors, elle boit toutes les heures. Alors, elle est très particulière. <laughs> elle boit, moi j'appelle ça, en double tap. C'est-à-dire, tu as tu, l'impression, tu bois, elle boit, genre, euh, pff, rien du tout, tu fais, oh, elle a pas faim. Tu laisses le biberon, ou pire, tu le laves. <laughs> le pire, c'est de le laver. <laughs> Et après, quoi, 30 minutes après, même pas Ouah méga faim Voilà, donc là, c'est ce qu'elle fait à Matou. Merci Matou. Là, voilà, elle a bu euh, la moitié du lait. Et là, elle, dans quoi 30 minutes, à nouveau, on va entendre à nouveau Ouah comme ça, parce qu'en fait, elle boit en double tape. Donc elle se fait un premier, un premier repas, puis après, elle se fait euh, le dessert. <laughs> donc... Sauf que parfois, la nuit, moi, je me recouche, ou Matou se recouche. Et même pas 30 minutes après, donc pile euh, quand tu es en train de t'endormir, tu sais quand tu es en train de partir, tu dis ah, ça y est, est, je suis en train de partir, je vais m'endormir. Et c'est reparti. <laughs> donc c'est pas toutes les heures, mais pas loin du coup, avec le double tap. Euh... Euh... Et au milieu de cette calais, tu réussis quand même à nous sortir une nouvelle formation. Aussi. Fait le... Elle s'est pas faite dans la matinée, hein, comme dit Matou, euh, dans... heureusement. <laughs> euh... D'abord l'apéro, exactement. Claire, c'est exactement ça. Très important l'apéro, elle marche en apéro en fait. <laughs> c'est souvent comme ça pour les prémas Ok, je savais pas. C'est bon, elle fait dodo. Là je l'entends, elle fait... Là c'est bon, elle est partie pour un petit dodo de 30 minutes. Retourne en 30 minutes pour la, pour la suite du repas. <laughs> Difficile les nuits avec un petit bout de chou. Ah bah c'est normal, c'est au début. Puis après ça, 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 va, ça va de mieux en mieux. Plus ils grandissent, plus ça va. Euh... Allez, bon ben bah, écoutez. Quoi Mathou deux... Ah oui, difficile avec deux bouts de chou. Bah, ajoute. <laughs> c'est vrai que Catherine nous, nous fait à un moment, elle nous a là ça va un peu mieux. Mais elle a eu une période où elle se réveillait à 2 3 heures du matin et elle restait debout pendant 1h30-2h. Je peux vous dire que le matin, t'es pas frais. Hein. <laughs> Ali Mabo, salut Alice. En même temps, avec papa et maman du Sud, l'apéro, c'est dans le sang. Alors, pas du tout, parce que je bois très très peu. <laughs> Déjà que je buvais pas beaucoup avant mes grossesses, mais alors là, depuis les grossesses, je bois plus une goutte. Matou, tu bois pour deux <laughs> Avec modération, bien entendu. On sait jamais, hein, on est sur YouTube, il hein, ne faudrait pas qu'il y ait le CSA qui nous tombe dessus. <laughs> euh... Ok, bah écoutez, j'ai envie de dire, on va démarrer, on a plein de choses à voir. Surtout que, plein de choses à vous montrer aussi. Nouveau mois, nouveau modèle Nouveau modèle que je suis en train de porter alors, si j'ai les cheveux de plus en plus longs, c'est magnifique. J'en suis super contente parce que des, pendant des années, j'arrivais pas à les faire pousser. Bref, peut-être qu'un je vous en parlerai si ça vous intéresse, de mes aventures capillaires. Euh, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler tricot. Donc, du coup, tricot, le nouveau modèle du mois. Nouveau modèle, nouveau mois, nouveau mois, nouveau modèle. Avril, Pulcorali. Je vous présente le pull Coralie qui est ici, euh, que je suis en train de porter, que vous voyez ici, et que je vais vous montrer en photo, bien entendu, parce que, euh, quand même, vous avez pu voir ma taille de guêpe euh, là tout à l'heure en passant. <rire> Bref. <rire> euh... Euh, du coup, je vous montre le pull Coralie de plus près, parce qu'il est beau, il est très beau. Photo Made by Matou. Alors, le pull Coralie, c'est notre pull durable que l'on va travailler. Alors j'ai vu dans le chat que le titre vous avait beaucoup intrigué. Qu'est-ce que c'est un pull durable euh, Déjà que les pulls, ça dure plusieurs années. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment un pull durable On va voir ça tout de suite. C'est le pull, il te dure de génération en génération sur cinq générations au moins. <laughs> oh, c'est une serpillère. <laughs> Bref. Du coup, le voici. Le pull coralie, comme vous voyez, magnifique pull à col rond avec euh, des manches droites modifiées, je le précise, pour un meilleur ajustement, parce qu'on aime ça l'ajustement. Mais comme on veut pas, on veut quand même du confort, on a mis des manches droites. Euh, on a aussi un point très particulier sur l'épaule, dont on parlera plus tard. Et on a aussi un petit quelque chose aussi sur le côté. Mais qu'est-ce donc, qu'est-ce donc, qu'est-ce donc On va en parler aussi. Le suspense est à son comble. Du coup, comme je vous disais, là, vous avez un petit aperçu magnifique modèle tricoté par les petites mains de Claire, euh, les mains expertes de Claire, que dis-je, les mains expertes de Claire, voilà. Les grandes mains de Claire Les grandes mains de Claire. Les grandes mains de Claire. Les, non, les superbes mains de Claire, euh, des belles mains Claire. Elle euh, a des belles mains. Sur les euh, sur les, les vidéos d'ailleurs pas à pas, vous pourrez voir que euh, de vidéos pas à pas que vous pourrez retrouver avec le modèle du coup du pull Coralie. Euh, vidéo filmée par les soins de Claire. Moi, quelque chose que j'aime beaucoup chez Claire dans les vidéos qu'elle fait, ben déjà, c'est ses mains, elles sont toujours nickel. Et en plus, euh, c'est la voix. Claire, tu une voix qui est extrêmement douce, très, très calme. Alors, au choix, tu avais deux choix dans la vie. Soit faire des, euh, du coup, des vidéos euh, des vidéos pour la guilde des triconautes, soit... Une appli, euh, créer une appli yoga euh, type euh, petit bambou quelque chose comme ça. Okay. <laughs> Mais je trouve que le tricot, ça te va mieux. <laughs> ou prothésiste angulaire. Ou prothésiste angulaire. Bah oui. ou, ou, ou mannequin pour les mains. Oui. Mannequin pour les mains. Mannequin pour les mains. Mais non, t'as pas des knackis. Claire, elle dit qu'elle a des knackis. Mais non, t'as pas des knackis. Dis pas ça. Alors... Euh, donc du coup vous voyez là vous le voyez de, de, sous un autre angle, vous voyez le magnifique point du coup que l'on trouve sur l'épaule, vous voyez le pull pris d'un peu, peu plus loin. Euh, et vraiment notre objectif, en tout cas l'objectif que moi j'avais sur ce pull, c'était de rendre ce pull le plus durable possible, le plus résistant possible. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait on a une grosse problématique lorsque l'on tricote en rond, et je vais y venir tout de suite, mais d'abord je prends le chat. Alors, un pull héritage, un pull Highlander. Euh, je regarde pas trop, je n'ai jamais regardé Highlander. En fait, je, vous le savez, les séries et moi, c'est C'est un film. Un film ouais. Ouais, bah, Matou, est, Matou a une meilleure culture que moi sur ce coup-là. Donc, euh... Highlander, c'est un film. C'est pas une, c'est pas une série. Highlander. Vrai, mais le plus, les hmm. <coughs> <coughs> je m'étouffe. Je vais mourir en direct. <coughs> Comme disait ma grand-mère, euh, ma grand-mère italienne quand elle s'est Tout va bien. <laughs> Ouf. Euh... laisse-toi le temps. Euh, vous, avez, vous, avez, vous inquiétez pas. Hein, je suis rouge mais ça, ça va. Je suis pas en train de. Je suis pas en train de décéder. Alors, oh là là, laisse-toi le temps, Génial, tu as bien travaillé deux bébés en si peu de temps, tu vas vite perdre et tu es très jolie. Oh, c'est gentil. J'aime beaucoup le détail de l'emmanchure derrière. Moi aussi, j'aime beaucoup. Top-down en rond sans couture, il ne peut que me plaire. <laughs> en effet, Zéline, t'as l'œil. Les petites naquis de Claire, donc du coup, non, Claire, pas des naquis. Euh, et en plus, filmé par Claire, c'est toujours très clair. <laughs> pas dans mon... <laughs> Voilà, c'est fait. Allait la faire, au moins c'est fait. Merci Zéline. Une maille fausse couture pour éviter le trigo tournant. Ah, il y, y en a qui ont l'œil, il y en a qui ont révisé. Hein. Prothésiste angulaire, moi, NDR, 30 ans que je me range les ongles. <laughs> Mais non. Alors, très joli ce pull, bravo à toutes les deux, magnifique. Ça vaut les pouces bleus, yes, mettez les pouces bleus s'il vous plaît. Mettez les pouces bleus. Si ça vous plaît, mettez les pouces. Alors... Ah non, tu ne nous fais pas le coup à la Dalida qui voulait mourir sur scène. Ah non, si... <laughs> non, c'est bon, merci, ça ira. Alors, plusieurs détails très sympas, la fausse couture, le motif. Yes. <laughs> Alors, du coup, justement, on va parler un petit peu plus précisément de ce modèle. Et pour cela, je prends le... Non pas le... Non pas le chat, je prends l'iPad. Alors, iPad. Alors, le pull durable. Live numéro 69. Marie-Jeanne, je sais pas si tu par là, mais calme-toi. <laughs> Blague. Marie-Jeanne, elle doit avoir les oreilles qui sifflent à chaque fois. Je t'aime, Marie-Jeanne, je t'aime. Live 69. Euh, on tricote un pull durable. on tricote un pull d'eau à la balle. Ok Donc du coup, je vous ai mis un petit peu le... Comment dire Le suspense. Le cliffhanger est insoutenable. Qu'est-ce que c'est un pull durable Et surtout, quelle est la problématique Pourquoi j'ai a-tu cette drôle d'idée que de créer un pull durable en rond Non mais, euh, qu'est-ce qui t'est encore passé par la tête euh, Alors... En fait, l'une des plus grosses problématiques lorsque l'on tricote en rond, Grosse problématique quand on tricote en rond. Quand on tricote en rond, il y en a plusieurs en fait. Donc grosse avec un S et problématique avec un S. Voilà, c'est mieux. La prof de français M. Euh, grosse problématique quand on tricote en rond. Donc du coup premier problème, Eh bien le pull. A tendance à s'user terriblement vite aux épaules. Alors c'est le cas des pulls en rond, mais c'est le cas de n'importe quel pull et de n'importe quel gilet. Tricoté en rond ou à plat. Sauf que lorsque vous tricotez un pull à plat, vous avez des coutures qui vont être faites au niveau des épaules ici, ce qui va rendre en fait votre pull plus résistant à l'usure, parce qu'en fait tout le pull, tout le gilet, tout le. On va dire pull, ça... on va dire pull à chaque fois, parce que si je dis pull et gilet à chaque fois, ça va être hyper lourd. Donc, du coup, lorsque vous tricotez un pull, tout le poids va reposer au niveau des épaules. Donc, ici, vous voyez mes magnifiques épaules, dont une qui est légèrement plus basse que l'autre, d'ailleurs, au passage. Hop Voilà. Tout votre pull va reposer, tout le poids de votre pull va reposer ici. Tout le poids de l'ouvrage va reposer à cet endroit-là. Et c'est cet endroit-là qui va s'user le plus rapidement. Donc, déjà, parce qu'il y a le poids. Mais aussi parce que c'est aussi l'endroit où vous avez le plus de frottement. Vous allez porter votre sac à main, un sac à dos, que sais-je, euh, le, le sac de l'ange, voilà. <laughs> Ça aussi, c'est du bécu. Donc, du coup, le pull va s'user aux épaules plus rapidement. Et il a rien pour, euh, pour l'aider, en fait, à, à survivre à cette usure. Donc, le pull a tendance à s'user aux épaules plus rapidement. Autre problématique lorsque l'on tricote en rond, c'est que le pull va avoir tendance à tourner. Alors, quand je dis que le pull tourne, ce n'est pas que c'est un derviche tourneur, c'est euh, que lorsque vous allez enfiler votre pull, ou même lorsque vous allez le porter, lorsque vous allez vous mouvoir, vous allez commencer à bouger, votre pull va avoir tendance à faire ça. Comme. Comme ça, il ne va pas vous suivre en fait. Vous, vous allez vouloir aller à gauche. Lui, le pull, il va dire, non, j'ai pas envie, je vais aller à droite. Euh, je vais avancer. Et le pull, il va dire, non, moi, j'ai pas envie. Et je vais commencer à tourner. Donc, du coup, vous allez avoir un pull, en fait, qui va avoir tendance à faire comme ça. Et c'est pas très joli. c'est pas très joli, ça a tendance à, en fait, à vous donner des mauvais plis. Ce n'est pas très beau. Euh, dès que vous allez le porter, ça ne va jamais être bien tombé, en fait. Donc, c'est un peu moyen bof. Donc le tendon, c'est une autre problématique, en tout cas c'est les deux grosses problématiques que je voulais voir avec vous, c'est l'usure aux épaules et c'est le pull qui tourne. Du coup, moi pour moi c'était les deux gros problèmes qu'il y avait lorsque... qui, qui existent hein, lorsque l'on tricote en rond. Et je me suis demandé, mais comment faire pour régler ça Comment on pourrait faire pour régler ces, ces deux grosses problématiques du tricot en rond Et justement... J'ai beaucoup réfléchi, et en fait, j'ai créé le pull Coralie pour que ça soit un pull qui réponde à ces problématiques-là, qui sont quand même de grosses problématiques, parce que on parle d'usure, euh, je vous parle du coup de pulls qui vont avoir tendance à, à faiblir au niveau des, 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 des coutures ici, au niveau des épaules. Donc ce sont des pulls qui vont être moins résistants, donc ce sont des pulls que vous allez devoir repriser régulièrement, ou euh, des pulls où il va y avoir par exemple des petits problèmes, euh, euh, comment dire, euh, d'étirements. Euh, D'étirement à ce niveau-là, c'est pas joli, c'est pas beau et c'est. Ben, ça tient pas en fait, c'est pas résistant. Donc du coup, j'ai créé le pull Coralie pour répondre à cette problématique. Solution, le pull Coralie. Tum, tum. Ok. Donc le pull Coralie, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que, qu -ce que j'ai eu comme idée encore farfelue Alors le pull Coralie, déjà. Première chose, vous pouvez d'ores et déjà le retrouver dans le club des crânotes. D'ailleurs, Zéline approuve, parce qu'elle l'a déjà dessus. <laughs> On peut retrouver le modèle du pull Coralie. Du pull Coralie. Dans le club des notes. Dans le club des notes. Donc toutes les triconautes qui font partie du club des notes ont accès à ce modèle. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore par qui ne font pas encore partie du club des notes ici il y a un lien. Le club des créneaux qui pour l'instant est fermé, mais tu peux rejoindre la liste d'attente pour être tenu au courant de euh, l'ouverture du club. retrouver du coup le, on peut retrouver le modèle du pull coralli dans le club des créneaux avec, parce qu'il n'est pas tout seul, hein, on le retrouve avec la vidéo de réalisation pas à pas de réalisation pas à pas. On le retrouve avec les équivalences de laine. Donc c'est-à-dire si tu veux tricoter avec un autre fil que celui que j'ai utilisé, euh, je te fais des recommandations d'achat et à chaque fois je te dis les avantages et les inconvénients de chacune des fibres, plus c'est trié par budget. Ok, équivalence des laines. Euh, plus conseil d'achat. Plus conseil d'achat. Voilà. Il euh, y a le modèle du coup, le patron PDF. Le patron à télécharger en version numérique et imprimable. En version nu Oupsie. numérique. Et imprimable. Voilà. Et euh, j'oublie un truc. J'oublie un truc, Matou Non, vidéo de réalisation, équivalence d'Hélène, patron à télécharger en version numérique imprimable. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Non. Le, le canal de discussion sur le modèle, oui, bien sûr. Euh, sur le Discord sur le Discord des créanotes, parce qu'il y a un espace spécial pour les créanotes. C'est un Discord dans le Discord, en fait. <laughs> euh, vous avez aussi, bien entendu, accès euh, au, groupe, au groupe privé sur le modèle pour demander de l'aide si vous avez des questions. Groupe privé sur le Discord. Voilà. Voilà, donc ça, c'est pour le pull Coralie. Alors, on va voir un petit peu le pull Coralie, un peu plus en détail. Qu'est-ce que j'ai fait au pull Coralie Le pull c'est simple. Donc, déjà, euh, comme je vous ai dit, je vais vous mettre une petite photo. Euh, je vous mets une petite photo. Comme je vous disais. Voilà. Celle-là, elle est très bien. Voilà. Je me trouve euh, plutôt jolie dessus. Donc. Euh... Bah oui, il faut, Matou. Je t'entends souffler du nez, mais... <laughs> Je l'ai entendu faire... <laughs> Comme ça. <laughs> Je t'entends souffler du nez, mais c'est important, Matou. Alors... C'est un pull à bigre catastrophe. Hmm. Ok. Alors. Pull tricoté en rond. Pull tricoté en rond sans couture. C'était ça, le... ça la question. Pull tricoté en rond sans couture. On a. Oh yes, merci Matou. Matou m'a donné le, le sacro-singant pour que je puisse écrire tranquillement. Alors, pull tricoté en rond sans couture. Col rond. On est sur un, un basique. Euh, et en fait, là où tout se joue, ça va être dans les détails. Donc dans les détails, euh, dans les détails de design. Vous savez, la beauté se trouve dans les détails. Alors, on a un point de renfort au niveau des épaules. On a un point de renfort aux épaules. Ce qui fait que du coup, ce point travaillé uniquement aux épaules permet de renforcer le modèle à cet endroit-là très précisément, qui est une zone sensible, justement très sensible à l'usure. Et vu que vous avez ce point-là, qui est un point très typique que les triconautes les plus expérimentés reconnaîtront dès qu'elles le verront. Euh, ce point de renfort va venir justement donner la résistance nécessaire au pull à cet endroit clé et surtout éviter, en tout cas minimiser au maximum les bouloches, les, euh, les peluches, etc. Parce que ici, on a renforcé à cet endroit. Euh, ensuite, on a aussi l'utilisation d'un montage très particulier, dont l'explication se trouve dans la vidéo pas à pas plus dans le modèle. Montage euh, renforcé pour pouvoir avoir justement ici des épaules qui tiennent bien et qui sont bien solides. Donc vraiment, j'ai mis le paquet sur les épaules. Euh, ensuite, au niveau des côtés, vous l'avez sûrement vu pour les, euh, les observateurs observatrices, je vais vous mettre aussi euh, une photo. Voilà. Alors. Là. Tac. J'essaie de vous faire un truc joli. Voilà, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal. Voilà. Donc, comme je vous disais, Ici, au niveau de la couture, là, les plus observateurs, observatrices, auront vu la fameuse fausse couture, fausse couture qui nous vient des pulls de Gandze, Du coup, pourquoi Pour avoir justement un renfort à cet endroit et surtout éviter que le pull ne tourne. Donc, on ajoute de la structure à notre pull. Comme on lui donne une structure, on lui dit en gros de pas, pouver, de pas, qui On lui dit en gros, tu vas pas avoir à tourner comme ça ou comme ça, que sais-je euh, Juste, tu restes comme ça, en fait. Et vu qu'il a sa structure, il dit ok, je ne bouge pas. Et là du coup vous allez avoir un pull qui tombe bien et un pull qui ne tourne pas quand vous, allez, euh, quand vous allez commencer à bouger. Donc on a, comme je vous disais aussi, du coup, la fausse couture, le détail de fausse couture Gansé, Fausse couture Gansé, qui vient donner la structure. Voilà. Donc le montage renforcé aux épaules, euh, la fausse couture gansée et le point de renfort aux épaules. Et là, on a notre pull qui vraiment est résistant et qui répond aux grandes problématiques que je vous citais en tout départ, qui sont le pull qui s'use aux épaules plus rapidement et le pull qui tourne. Voilà. Je prends le chat. Je prends le chat. Alors. Euh... La fausse couture, le motif texture sur l'épaule, l'empiècement d'eau. Super. Bah Hélène, je suis contente que ça te plaise. Euh... Pierre Dré, coucou la plus belle. Merci. Merci beaucoup. Merci. <laughs> J'ai une question concernant le petit paragraphe DU. Début. Dorénavant, les ans s'est ajouté aux mesures données dans les tailles, c'est bien ça? Euh, ouais. Alors, attends... Euh... C'est le paragraphe d'introduction dans le modèle. Oui, 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 je sais, oui. Mais, mais, je, juste, je, je... Dorénavant, les ans, c'est ajouté aux mesures données dans les tailles. Alors, les ans, c'est à ajouter aux mesures. Oui, voilà. Si, si c'est dans ce sens-là que tu tournais ta phrase. C'est pareil dans les, tous les anciens modèles présents dans le club. Affirmatif. Et d'ailleurs, euh, Zéline, vous aurez remarqué... Euh, je ne suis pas en train de te vous voyer, Zéline, ne t'inquiète pas. Mais... Euh, vous aurez remarqué de manière générale euh, que euh, ce petit paragraphe du coup de présentation où je donne les techniques qui sont abordées, la façon dont le pull est tricoté et l'aisance qui est recommandée a été ajoutée sur tous les modèles. <laughs> je dis bien tout, parce que c'est Matou qui a ajouté euh, les textes, et textes écrits par mes soins, mais c'est Matou euh, qui a ajouté les textes. Et franchement, Matou, comment on dit, casquette entre 120 et 130 modèles qu'il a fait, le pauvre matou. Donc, euh, donc euh, du coup, papa ton feu, il a vraiment, euh, il a vraiment géré. Hein. Rond en top-down, oui, rond en top-down. Donc on commence des épaules et on descend comme ça. Est-il facile à transformer à plat Oui, bien sûr. Et il suffit en fait tout simplement, un, d'inverser le sens et deux, de découper le pull comme... Euh, comme un fromage. C'est-à-dire, en gros, tu dis OK, donc là, de là à là, ça va être mon dos, de là à là, ça va être mon devant, et après, je vais tricoter comme ça, dans l'autre dans sens. Après, c'est un peu compliqué, Sylvie, parce que quand même, tu vas devoir inverser le sens, déjà, un. Tu vas devoir inverser le sens, et deux, tu vas devoir en plus le découper en morceaux pour pouvoir le faire à plat. Donc, oui, c'est faisable, mais par contre, il va falloir prendre les choses une à une correctement. Le modèle Coralie ne peut pas être modifié pour imprimer sur les Triconautes Alors, euh, si, le modèle, peut, euh, le, modèle, le modèle peut être modifié et changé, justement. Si tu parles bien du modèle, du coup, en version numérique imprimable, SB, euh, le modèle peut être modifié pour que tu puisses l'imprimer facilement. En quelle laine est-il réalisé Ah, la question C'est une excellente question. Je reprends le, je reprends le modèle, mais euh, je vais pouvoir te répondre dans même pas une petite minute. Parce que j'ai un doute sur la laine, je ne veux pas te dire de bêtises. Il faut dire que des modèles, on en voit passer assez régulièrement. Alors, généralement, j'utilise assez régulièrement les mêmes, les, les mêmes laines, parce que j'ai mes petits, mes petits favoris. Alors, le pull Coralie, il est réalisé dans la fibre. Tip, tip, tip. Le suspense est à son comble. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. La Sunday Petite Knit par Sandes Garn, qui est toujours excellente. C'est une laine fibre que j'adore. Là, je vous le dis, je suis transparente avec vous. Hein, je ne porte rien sous le pull, à part un soutien-gorge. Donc, du coup, euh, vraiment, il ne gratte, la laine ne gratte pas. Elle est incroyablement douce. On peut la porter à même la peau. Euh, même Matou la trouve douce, pour vous dire. Matou a la peau très sensible. Euh, donc, vraiment, euh, donc, coloris, je ne l'ai pas dit, coloris Whipped Cream. Euh, donc crème fouettée, 100% Mérino, non superwash. C'est vraiment une laine moi que j'adore, qui est très très douce euh, et vraiment euh, très très belle. Donc vraiment c'est une de mes laines préférées. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de modèles qui sont tricotés avec cette laine parce qu'en plus elle a l'avantage d'être très accessible. Euh, ok, donc ça c'est pour la réponse sur la laine. Ensuite. Est-ce que, part... est -ce que cette partie qui sera ajoutée sera faite d'une façon particulière Et Cette partie qui sera ajoutée sera faite Je comprends pas ta question. De quoi tu parles en fait Mais quelle partie de quoi Je veux bien répondre à ta question, Sandrine, mais je ne comprends pas de quelle partie tu parles en fait. Alors. Ok, donc si je fais 85 cm de tour de poitrine, que je veux une aisance de 10 cm, je prends la taille qui propose environ 95. Exact, Zéline, tu as tout compris. Et d'ailleurs, il y a l'exemple dans la présentation, comme je dis. C'est un petit texte de présentation. Et dans le texte de présentation, je dis, cela signifie que si, je, je lis littéralement, hein. cela signifie que si ton tour de poitrine est de 90 cm, on se mesure avec un mètre de couture, pas une règle, on va devoir tricoter la taille S dont le tour de poitrine est de 96,5. Parce que... Il y a une aisance positive recommandée de 5 à 10 cm. Donc de 5 à 10 cm, ça veut dire que là, il va falloir que je tricote la taille S, dont le tour de poitrine est de 96,5. Voilà Il y a un exemple justement fait exprès pour que ça soit le plus clair possible. Quelle grosseur d'aiguille Ah, ben là, ça dépend de ton échantillon en fait. L'échantillon que je donne pour ce pull, c'est 28 mailles 34 ans. Mais après, en fonction de la façon dont tu tricotes, tu auras besoin d'aiguilles plus ou moins grandes. Euh, Claire a utilisé des aiguilles 3 et 2 mm. Alors, la partie sur les côtés et les épaules pour pas que le pull tourne. Alors, attends, que je reprenne ta question, du coup. Est-ce que cette partie qui sera ajoutée sera faite d'une façon particulière La partie sur le côté et les épaules pour pas que le pull tourne. Je comprends toujours pas, mais je vais essayer de répondre avec ce que je comprends. Ok alors, le point est ajouté, il n'y a pas de façon particulière de, de, de truc particulier à faire, il y a juste le point à tricoter en fait. Et après, les fausses coutures sont ajoutées aussi, et il n'y a pareil, pas de calcul particulier à faire, c'est juste, juste à suivre le modèle. Je ne je suis pas sûre d'avoir compris ta question, mais voilà, j'ai donné l'info que j'ai cru comprendre. La technique du renforcement a été ajoutée à la formation aiguille circulaire, s'il vous plaît. Merci. Non, je ne vois pas le rapport. Euh... Hélène, merci. Avec plaisir, Hélène. Hélène, j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois que je réponds aux questions, est... merci beaucoup, merci Matou, merci Janelle, c'est très, très agréable. Pareil, Zéline, un grand merci Matou, Véro, Véro, merci beaucoup. C'est très agréable de, de lire des merci. D'accord, merci à Sandrine, du coup. <laughs> merci aussi. Euh, c'est ce que je désirais savoir. Merci, 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 merci. merci. <laughs> euh... Bref. Ok. Euh, donc, ça, c'est pour le. Oups, pardon, ça, c'était une tasse que vous avez entendue. Alors, comme je vous disais, du coup, ça, c'est pour le modèle. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le modèle Oui, non. Profitez-en, parce que. Euh... C'est le moment où jamais ça a des questions. Alors, en tout cas, je suis contente. Je vois qu'il vous plaît énormément. Donc, euh, je suis très, très contente. C'est un pull très simple, hein, très accessible. Je ne l'ai pas précisé, mais forcément, il est très facile à faire. Il est très accessible à faire. Donc, du coup, si tu es débutant ou débutante, c'est un pull que tu pourras réaliser facilement, sans euh, trop de difficultés, en tout cas. Parce que vraiment, euh, a... c'est du jersey. Euh, le point, il est très simple aussi. C'est un ensemble de mailles endroit, mailles glissées. C'est très, très, facile à faire. En plus, il y a Claire qui te fait une petite vidéo de réalisation pas à pas. Donc, t'es sûr de pas te perdre. Oui. <laughs> <Tu veux> <laughs> Ton premier pull sera un pull durable. Ça, c'est vrai, c'est le slogan. Je sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit Matou. Il dit... On s'était mis d'accord avec l'équipe créative composée de Matou et moi-même. <laughs> Donc, de deux personnes. <laughs> on s'était mis d'accord avec l'équipe créative. On avait dit que le slogan, c'était Tricote ton pull durable. C'était ça C'est ça que tu veux dire oui. non, on pas Déjà, on n'est pas d'accord. Déjà, avec... on n'est pas d'accord. Ton premier pull sera un pull durable. Voilà, c'est ça. En... Voilà, je vais l'écrire en lettres capitales, Matou. Regarde. Ton premier pull sera un pull durable. Où est passé mon gant Où est-ce que je l'ai envoyé encore <laughs> J'envoie les gants, comme ça, je me retrouve sans gants. Oui, je t'entends, je... Ton premier pull sera un pull durable. Ton premier pull sera un pull durable, Harry. Pour celles et ceux qui auront la ref. Sera un pull durable. Pas ma meilleure calligraphie mais vous m'en voudrez pas oui puis, puis si comme dit matou si c'est ton dixième pull ça sera aussi un pull durable hein, si tu suis euh, si, si tu suis le si tu suis le modèle et on ne devrait pas y avoir de problème alors le chat le chit chat alors Euh... téc C'est normal de te remercier. Mais ça me paraît assez normal quand même. On t'abreuve de questions. Parfois, on ne lit pas les explications jusqu'au bout. Shame on me. Shame. Sling, sling, sling. Euh... De toute façon, tu expliques très bien, Jainel. Tes modèles sont toujours super. Merci, Jainel Matou. Ah bah ça, ça me fait super plaisir, Christiane. La 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 la. Vraiment, ça me fait super plaisir <laughs> ça me fait vraiment super plaisir parce que les modèles j'essaie vraiment de les retravailler de les travailler, re-retravailler, reformuler encore et encore et encore jusqu'à vraiment avoir la crème de la crème de l'explication <laughs> là encore récemment c'était une triconote sur le discord qui me disait je bien... suis pas sûre d'avoir bien compris il y a un truc là, je euh, pense que c'est sous-entendu mais je suis pas sûre euh, alors en effet c'était sous-entendu mais j'ai reformulé la phrase et j'ai ajouté le sous-entendu de manière claire et visible, pour que ça soit vraiment, euh, justement, le plus compréhensible possible. Moi, mon objectif, je vais vous le dire, euh, c'est de vous proposer les modèles qui soient les plus clairs possibles, les plus aisés à comprendre. Pas aisé, euh, Z-E-Z-E, -Z -E, hein, les plus euh, aisés à comprendre, si je ne fais pas la liaison. Donc du coup, les modèles qui soient les plus faciles à suivre, les plus aisés à comprendre, euh, afin que vraiment vous soyez accompagné de A à Z pour, euh, pour les réalisations de modèles. Et qu'en fait, vous puissiez tricoter des modèles qui soient super canons, parce que, voilà, je vais quand même le dire, hein. flûte, euh, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Euh, vous pouvez tricoter des modèles qui sont hyper canons et en même temps qui sont hyper simples à suivre et vous n'avez pas à vous dire, alors attends, là elle m'a dit de faire 3 fois 4 mailles, puis 2 fois une maille, puis 6 fois 50 mailles. J'exagère, mais vous avez compris. Moi, vraiment, mon objectif, c'est de vous proposer des modèles qui soient hyper clairs. C'est pour ça qu'avec Matou, on essaie toujours de progresser et de vous proposer des choses qui soient de mieux en mieux sur les modèles. Donc euh, là, par exemple, la, la dernière mise à jour, c'est euh, ce petit texte de présentation afin que vous puissiez avoir toutes les infos sur le modèle, donc comment il est tricoté, en top-down, en rond, sans couture, à plat, euh, dans tel sens, etc. Dans tel ou tel sens, avec telle ou telle technique, et comme ça vous savez à quoi vous, vous attendre avec l'aisance recommandée. Vraiment, j'essaie à chaque fois de vous proposer le meilleur. Voilà. Euh, vive les vidéos de réalisation! Les manches sont tricotées en rond après avoir relevé les mailles autour de la manchure. Affirmatif, comme la plupart des modèles tricotés en top-down. Zézé, c'est moi. <laughs> Big standard ovation pour Mamidou, qui participe à son premier live tricot. Bravo! Bienvenue à toi, Mamidou. Coucou Géraldine. Alors, c'est pour ça que je fais partie du club des créanotes, toi, Jainel et Matou. Vous êtes super, c'est des modèles que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Oh, je vais pleurer, ça me fait trop plaisir! Euh... Bonjour tout le monde, salut Pink Lady. Euh... Oui, tes modèles sont super clairs et bien écrits. Pour avoir testé d'autres designers, tu es une des plus claires. Oh merci Karine, merci beaucoup. Euh... Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Bon, en tout cas, j'essaie je... de faire au mieux et vraiment je travaille à faire en sorte que les modèles soient, que mes modèles soient les plus clairs et les plus accessibles possible. Euh, ou okay. qui Alors justement, la suite, la suite, parce qu'il y a la suite de programme. Donc du coup, comme je vous disais, nouveau mois, nouveau modèle, donc pull Coralie, et forcément, nouveau fil rouge, parce que c'est durant ce mois où on va voir ensemble différents sujets autour du modèle Coralie. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va voir Alors, on a plusieurs lives pour ce mois-ci. Sortez les agendas, c'est parti donc, le live créatif numéro 69, c'est celui que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas Nous sommes le mardi euh, 4 avril. Voilà. Donc, le 4 avril. 4... Euh, alors, 0404. Eh oui eh, eh. Euh, Ensuite, le prochain live aura lieu mardi prochain, le 11 avril. Le 11 avril, je vais peut-être écrire avril, parce que je sens qu'il y en a qui vont me poser des questions pour savoir qu'est-ce que ça signifie. Donc, le 4 avril... Voilà, le 11 avril, on a le live sur 70 déjà, sur les deux techniques à te connaître pour rendre un pull durable. Et on va voir ici, durant ce live, précisément euh, les deux éléments que j'ai. Enfin, les deux éléments, les éléments que j'ai fait et que j'ai utilisé pour rendre le pull Coralie hyper durable. Euh, et surtout, comment les placer, comment changer si on a besoin, comment adapter ça si on a envie de faire une adaptation particulière. Ensuite, le 18 avril. On va avoir le live créatif numéro 71, où je vous explique comment j'ai tricoté un talon sur un pull. Ah ah, le suspense est à son comble. Qu'est-ce qu qu'elle nous raconte encore, Jainel Elle a fait une chaussette sur un pull. Quelle est cette chimère euh, Ne vous inquiétez pas, on en parlera du coup durant le live du, 11 av du 18 avril. Non pas du 11, hein, du 18 avril. Et enfin, live créatif numéro 72, dernier live du mois, avec l'astuce des fausses coutures, où je vous parle du coup plus en précision des fausses coutures, de comment ça se tricote, quelles sont les différentes variantes. Et ça, ça aura lieu le 25 avril. Voilà, donc ça c'est pour l'agenda du mois. Pour voir précisément les éléments dont on va parler durant ce mois, donc là, ça c'est en cours. Euh, le, les deux techniques à connaître pour rendre le pull durable, le 11 avril. Tricoter un talon sur un pull, le 18 avril. Et... L'astuce des fausses coutures le 25 avril. Ouais. Je prends le chat. Alors... Je t'adore Jainel et ta petite famille. Oh merci Christiane, c'est gentil. C'est le live de l'amour, trop de love. <laughs> trop de love. Euh, Valérie, bonjour. Je lis depuis un moment avant d'écrire, car je euh, peux rarement suivre le direct. Eh bien, bienvenue à toi, Valérie. Ça fait plaisir de te voir. Encore de tribo Live. Euh... Le talon, c'est peut-être pour les épaules. tu t'en as dans la tête. On verra ça. Alors, SB, justement. Je prends, le, je prends le temps, non, normalement je le ferai pas parce que c'est un truc plus technique et je te dirais d'aller, euh, de nous écrire un petit mail à hello.com. Sauf que là aussi on a fait une petite nouveauté avec euh, Matou, une nouveauté pour vous aider un petit peu à mieux gérer tout ça. Tu as tout qui est expliqué, tout, de A à Z, je t'explique. Prends le modèle Coralie, du coup euh, c'est SB, du coup désolé je dis SB parce que j'ai pas ton nom, donc euh, tu m'en voudras pas de dire SB. Donc, tu, vois, tu prends le pull Coralie. Tu prends le modèle du pull Coralie. Tu as le lien si tu fais partie du club des créanotes. Voilà. Le modèle du pull Coralie. Ici. Donc, qui a tricoté le modèle C'est la magnifique Claire. Et ici, regarde. Tu as une page qui s'appelle Téléchargement et fiches d'aide. Ça aussi, c'est Matou qui l'a ajouté sur les 120-130 modèles aussi, avec ses petites papates. Ah des... Comme ça J'avais oublié qu'on avait fait des fiches d'aide aussi oui, on a fait aussi des fiches d'aide, mais ça, ça arriverait à plaire. Et après, ma, euh, Mathou, du coup, je vais, tout, euh, je vais tout expliquer. Du coup, tu as une page qui s'appelle Téléchargement fiches d'aide. Tu la prends, c'est la page numéro 4 sur le pull Coralie. Tu la prends 1, 2, 3, 4. Ok. Là, après, tu as expliqué comment faire pour télécharger le modèle, même s'il est en lecture seule, pour pouvoir après le modifier et l'imprimer chez toi. C'est cool! Hein donc du coup, là, il a plus de... As plus, de... As plus de questions à te poser. Juste à... Juste à suivre, regarde, fichier, télécharger, pouf, document PDF, directement sur... Et si c'est pas assez clair, il y a une vidéo aussi. Et si, c'est pas assez clair, il y a une vidéo, comme dit Matou. Regarde, on prend le texte ensemble. Tu peux télécharger et personnaliser ce modèle facilement. Si tu ne sais pas comment faire, j'ai fait une vidéo que tu peux retrouver en cliquant sur le lien suivant. Tu peux cliquer sur ce lien-là pour voir comment je fais, étape par étape, pour télécharger le modèle, le modifier, euh... et du coup... Euh... Avoir ta propre version. Autre nouveauté, et ça c'est énorme, parce que ça nous a demandé, je vous le dis, bon, je ne vous le cache pas, du travail. Matou a fait un travail monstre et euh, j'ai essayé de faire en sorte de rendre les modèles encore plus clairs. Comment j'ai fait Je vous ai proposé des fiches d'aide. Alors, qu'est-ce que c'est les fiches d'aide J'ai une qu elle qu'elle a encore cette idée farfelue. Je vais vous montrer de suite. Donc, je vous ai préparé ces fiches d'aide. Vous cliquez sur le lien là ici. Je vous ai préparé des fiches d'aide que je vous conseille de lire avant de commencer le modèle. Ce lien, vous cliquez dessus. Donc bien sûr, vous pouvez cliquer dessus, hein, je, veux, je vous le montre. Voilà. Ah, Moi, ça, sur mon iPad, ça marche. Si, ça marche. Ah oui, mais ça ne marche pas parce que je suis en édition, moi. Mais... Alors voilà, je vais vous montrer. Hop voilà. Bougez pas. Je vous montre ça. tout Voilà. Alors, regardez-moi. Donc vous cliquez sur le lien et vous arrivez du coup sur cette page-là. Vous arrivez sur cette page-là. Donc là, vous avez comment télécharger, éditer le modèle de tricot. Vous avez cette vidéo là dont je t'ai parlé SB. Vous avez cette vidéo dont j'ai parlé SB pour pouvoir télécharger et modifier le modèle. Et en plus, vous avez du coup les fameuses fiches d'aide, du coup, que j'ai ajouté et que Matou a ajouté, que j'ai créé et que Matou a ajouté sur tous les modèles. Donc modèle du club, modèle des formations. Modèle gratuit, il me semble. Non, pas modèle gratuit. Je ne sais plus. Les modèles des formations. Voilà, les fiches se trouvent sur le modèle du club, les modèles des formations. Et vous avez du coup... Là, vous pouvez télécharger gratuitement la fiche d'aide. Donc, regardez, vous avez une fiche d'aide par type. Vous avez pour les top-down, pour les top-down, pour les bottom-up, pour les chaussettes tricotées de la manchette vers la pointe, pour les chaussettes tricotées de la pointe vers la manchette, et pour les châles. Et par exemple, si je prends le pull top-down, vous téléchargez du coup directement la fiche, par exemple top-down, parce que là, c'est ce qui nous concerne avec le pull Coralie. Et bim, bam, boum, vous arrivez sur la fiche d'aide. Vous savez du coup dans cette fiche, je vous explique comment un pull top d'un est tricoté, quels sont les différents noms, parce que ça c'était quelque chose qui revenait un petit peu. C'était des tricoteuses qui disaient Mais c'est quoi l'empiècement C'est à quel endroit Là, je vous montre exactement l'empiècement, où est-ce que c'est euh, Quels sont les éléments, du coup, là, la, la hauteur de l'emmanchure, le corps, qu'est-ce que c'est La bordure, qu'est-ce que c'est À chaque fois, vous avez l'explication avec un petit texte à chaque fois pour savoir, du coup, où est-ce que vous êtes. Vous avez les différentes possibilités de pull, donc col rond, col V. Les emmanchures droites, les différents types d'emmanchures, à quoi ça correspond du coup, et à quoi ça ressemble surtout. Et après, vous avez des petits conseils que je vous donne avant de commencer le modèle. Donc, on commence par faire un échantillon, on mesure euh, correctement, et je vous donne les mesures à faire. On choisit la bonne laine, je vous donne des conseils. On termine par un blocage, je vous donne des conseils sur le blocage. Et qu'est-ce qu'on fait en cas d'erreur Là aussi, je vous donne des conseils. Si le pull est trop large, si le pull est trop étroit, euh, si euh, j'ajuste euh, le nombre de mailles, comment je fais pour euh, ajuster les répétitions du motif du modèle Je t'explique tout là aussi. Là, par exemple, existe-t-il un moyen de voir si mon pull s'adapte bien avant qu'il ne soit complètement terminé Pareil, question-réponse, ici. Comment faire pour tricoter une manche plus courte ou une manche plus longue Pareil, je t'explique étape par étape. Avec des calculs et un exemple pour que ça soit bien clair. Et en plus, Matou, Matou, ce grand Matou, a mis en plus des vidéos avec des QR codes pour que tu puisses retrouver les vidéos facilement si tu imprimes par exemple cette fiche d'aide et que tu puisses juste l'utiliser avec ton téléphone comme ça. Maintenant, le QR code, c'est surtout les téléphones. Dans l'appareil photo. Dans photo tu, vas sur le tu vas sur ton appareil photo, tu prends la photo du QR code. Donc, je, regardez, je vais le faire en, je le faire en direct. Je suis sur l'appareil photo là. Je prends un QR code, le premier, et boum, ça ouvre YouTube, et ça va me donner la vidéo directe que j'ai euh, que j'ai flashée en fait. Donc comme ça, ça vous, ça vous fait gagner du temps, et surtout, vous pouvez retrouver hyper facilement toutes les astuces directement dans les fiches d'aide, et ça va vous éviter de potentielles erreurs plus tard. Voilà! Est-ce que c'est pas génial ça comme mise à jour? Dites-moi dans le chat qu'est-ce que vous en pensez. Je prends le chat. Il y a le lien. Ah oui, et comme dit Matou, si tu sais pas scanner ou si t'as pas le bon téléphone parce qu'on n'a pas toutes et tous des smartphones, il y a le lien de la vidéo. C'est cool! Pas sur le lien, et si tu peux pas cliquer sur le lien, et tu et fais. Et et comme dit Matou, si tu peux pas copier, si tu peux pas cliquer sur le lien parce que pour une raison x ou y, Matou a fait des liens courts. Donc comme ça, t'as plus qu'à réécrire clic, 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 le lien sans avoir quelque chose de super long. Ouf. Alors, je trouve ce modèle très classe avec beaucoup de subtilité dans le design. Merci pour la transmission de techniques et d'astuces. Merci Brigitte. Comment faire partie du club demande Keira. Keira, il y a un lien qui passe dans le chat pour que tu puisses t'inscrire sur la liste d'attente du club. Euh... Merci Matou, tu es un amour. Merci beaucoup pour ce live, votre travail fabuleux. Merci beaucoup. tek, Pam, 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 pom. pom, pom, pom. Merci, Rose. Félicitations pour votre travail qui va nous faciliter nos ouvrages. Eh bien, merci. Merci de nous faire progresser, de nous accompagner pour être de plus en plus compétents avec autant de passion. Eh bah, écoute, on essaie de faire ce qu'on... au mieux, à chaque fois. C'est vraiment euh, ce que je dis à chaque fois, c'est on essaie de faire au mieux avec Matou. Les nuits sont courtes. <laughs> Quelle heure ce matin 4h du matin 4h40. À quand est live un livre Oups. Un livre récapitulatif, une belle référence écrite. Alors, euh, moi et les maisons d'édition, j'ai dit non. Voilà. Euh, no more. Voilà. Euh, c'est bon. C'est, J'ai donné. J'ai plus faim. Merci. <laughs> Comme on dit. <laughs> non merci, j'ai plus faim. Donc, euh, pas de livre. De toute façon, tout le contenu que je partage se trouve dans mes formations, en vrai. Donc, euh, c'est encore mieux qu'un livre parce que t'as des vidéos et tout. Et c'est évolutif. Chose qu'un livre n'est pas. Euh... Votre travail gigantesque, c'est fabuleux, vraiment un grand merci. Matou. Les mises à jour de la mort. <laughs> c'est un peu ce qu'on s'est dit quand Matou a, 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 a mis ça sur les 120-130 modèles. Deux fois, du coup. <laughs> c'est génial, merci. Merci pour ce travail, cool. Vraiment très beau. Je vois plus le message de SB. Peut-être qu'elle a trouvé du coup. Euh... Ah, si, voilà. Euh, merci pour ces nouveautés, pour nous aider. Très beau travail, merci. SB, tout ça, ça se trouve dans le club des note dans ton espace membre. Euh, ok. Ok, super. Bon, bah écoutez. Euh, merci pour les explications, c'est très clair. Cool. Mais écoutez, je pense qu'on va pas tarder à se laisser. Je vous ai tout dit en tout cas sur le pull, le pull Coralie. Je vous ai tout dit. Vous pouvez le retrouver, comme je disais, dans l'espace membre du club des créanotes. Si tu fais pas partie du club, ici il y a un lien qui passe pour pouvoir t'inscrire au club des créanotes. Enfin, non, pas t'inscrire, mais t'inscrire à la liste d'attente du club des créanotes. Et euh, bien sûr, le modèle est à télécharger dans l'espace membre pour les triconautes qui font partie du club des créanotes. Ok. Merci à l'équipe, avec plaisir. Bon, eh bien écoutez, je pense que je vais vous laisser. Je suis super contente de voir que le modèle Coralie vous plaît. Euh, et j'ai hâte de pouvoir avoir le live créatif suivant du coup le live créatif qui aura lieu la semaine prochaine même jour même heure les deux techniques à connaître pour rendre un pull durable en attendant et eh bien écoutez je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine même jour même heure ciao ciao